Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séance du renforcement du corps, un renforcement complet du corps avec une chaise. On en a tous une chez nous, donc pas d'excuses et bien pour s'entraîner. Préparez votre chaise, mettez-vous en tenue de sport, vous préparez une petite bouteille d'eau et on y va. C'est parti, on fait la séance ensemble. C'est une séance assez courte, à peu près, on va dire 30 minutes, où on va renforcer et bien le corps de manière générale. Cette séance, en fait, c'est une des séances bonus du programme BAR. Le programme BAR, c'est un renforcement pour, c'est un renforcement des jambes pour affiner, dessiner et bien ses jambes. Le programme BAR, c'est un mélange de ballet, de yoga, de pilates et de renforcement musculaire basé uniquement sur le renforcement au niveau des jambes. Et les clients m'ont demandé également d'avoir un renforcement également au niveau du haut du corps. Donc j'ai rajouté des séances bonus où on renforce toujours les jambes, c'est un petit peu la dominante, mais avec un travail également complet, c'est-à-dire au niveau eh bien, du haut du corps et de la sangle abdominale. Ici, c'est la deuxième séance. Il y a deux séances en tout. Vous allez retrouver ces deux séances sur ma chaîne YouTube et ensuite, toutes les autres séances, bien sûr, sont dans les bonus du programme BAR. Vous avez la description de ce programme juste ci-dessous. En attendant, eh bien, je vous propose donc de vous entraîner avec moi. Préparez votre chaise, une tenue de sport, une bouteille d'eau. C'est parti. Je me présente rapidement. Je suis Fabien G. Je suis fondateur du programme 66 et de Roule sur la forme. Ce sont des programmes de sport en vidéo pour vous entraîner chez vous. C'est parti, on attaque notre séance. Allez, placez-vous dos à la chaise. Premier exercice pour les jambes. On va venir placer un pied sur la chaise, planter les orteils dessus. On redresse le buste et on va venir placer ensuite eh bien, les mains au niveau des épaules. On fléchit les jambes, les deux. On fléchit la jambe d'appui, on fléchit l'autre jambe et on se redresse. On vient changer de jambe. Placez l'autre pied sur le bord de la chaise. Au départ, regardez bien votre chaise à chaque fois. On replace les mains au niveau des épaules. On fléchit la jambe et on se redresse. Et à chaque fois, hop, on vient se replacer debout, les deux pieds bien au sol. Allez, on y va, on attaque. Ça, c'est notre premier exercice. Donc, on place un pied sur la chaise. À chaque fois, bien les bras sur la poitrine. On fléchit et on se redresse. On change de jambe. Hop, regardez à chaque fois au départ votre chaise. Hein, pour avoir un point de repère, et on se redresse. Allez, c'est parti. Hop, inspire, on place, on fléchit, et on redresse. Vérifiez bien, on fléchit les deux jambes à chaque fois, d'accord? Tac. On essaye de descendre le genou arrière vers le sol. C'est ça, votre premier objectif, c'est de descendre le genou arrière vers le sol. Et si vous avez cette intention-là, hop, la jambe avant va bien se placer à chaque fois, et le genou reste plus ou moins au-dessus hop, de la cheville. On vient placer les mains au niveau des épaules parce que cela va vous permettre de garder le buste droit. Ici, hop. Option, vous pouvez très bien placer les mains aux hanches. D'accord? Comme vous voulez. L'important, c'est de garder le buste droit, la tête hop, redressée. Ok? Dernière fois, on pose, on fléchit. Et on se redresse. Parfait. Allez, un petit travail du haut du corps triceps. On vient se mettre assis. Les mains ici sur le bord de la chaise, sur les côtés. On enlève les fesses. Bien, on appuie sur les pieds, on sort la poitrine. On fléchit les bras, on passe la jambe droite derrière la jambe gauche. Et on se redresse. On fléchit les bras, on passe la jambe gauche derrière la jambe droite. Tac. Et on se redresse. Inspire, on fléchit les bras. Expire, on redresse. Inspire, on fléchit les bras. Expire, on redresse. Et on passe une jambe à chaque fois. Eh bien, hop, derrière l'autre, tout simplement, en dessous du corps, hein, sous les fesses, on fléchit et on se redresse. Gardez bien la poitrine haute. D'accord? Poitrine fière. Le regard loin devant. Inspire, on fléchit. Expire, on pousse. Allez, inspire, on fléchit. Coude serré. Expire, on pousse. Et on pose bien à chaque fois. Hop, le pied au sol. On se redresse. Allez, dernière fois. Inspire, on fléchit. Et expire, on pousse. On se redresse. Bien. Debout, j'ai placé mon chrono. On vient poser les mains sur la chaise. Ici. Le dos bien droit. On vient fléchir la jambe droite. Amener le genou vers la poitrine. Hop, tirez les orteils vers vous. Vous montez le pied au plafond. Et on revient. Hop. On monte le pied au plafond. Et on revient. Alors ici, dans le mouvement, il va falloir garder le dos bien droit, gainé. On serre la fesse, hop, on contracte en haut et on ramène genou poitrine. On serre la fesse
et on revient genou poitrine. Votre objectif, votre défi, c'est de pousser le plafond avec la plante de pied. D'accord ? Avec toute la plante de pied, on essaie de poser le pied à plat au plafond et de pousser le plafond avec cette plante de pied. Hop ! Donc on essaie vraiment de monter, hop, le pied et le genou le plus haut possible. Dernière fois, on pousse, parfait, on change. Donc on fléchit la jambe gauche, tirez les orteils vers vous, pied flex, tac, la jambe d'appui fléchit, on monte le pied au plafond et on revient. Vous pouvez garder, on garde presque le talon ici collé à la fesse. On pousse et on revient. Il va falloir contracter la fesse à chaque fois. Je contracte et je reviens. C'est-à-dire vous poussez le pied au plafond, vous contractez votre fesse et vous revenez. Vous ne redescendez pas tant que vous n'avez pas contracté votre fessier. D'accord ? Ça, c'est vraiment le plus important. Pour que ce soit efficace, contractez votre fessier et on revient. Inspire, on monte, on contracte le fessier et on revient. Tendez les bras, on contracte et on revient. Concentrez-vous juste là-dessus. Juste contracter le fessier. On monte et on contrôle. Une dernière fois, on monte. Parfait. Et on repose. Un petit travail au niveau de la sangle abdominale. Planche. On vient poser les mains de part et d'autre de la chaise. On recule les pieds, on se place en planche. Avec le genou droit, on vient toucher coude gauche. On vient toucher coude droit. Et on allonge ensuite la jambe vers l'arrière. On repose. Avec la jambe gauche, on vient toucher coude droit, on croise, ensuite coude gauche, tac, on allonge la jambe, on se grandit et on repose. Donc jambe droite, on croise, hop, on touche l'autre coude, on tend la jambe, serrer le fessier et on repose. Avec la jambe gauche, on croise, hop, on touche l'autre coude, on tend, serrer le fessier et on repose. Donc un coude, on tend, on repose. Un coude, on tend, on repose. Hop, hop, serre la fesse et je repose. Hop, hop, parfait, et on repose. Allez, les fentes. On se replace, tac, on pose un pied sur le banc, bras croisés, on descend genou et on redresse. On pose l'autre pied sur le banc, tac, une fois que le pied est posé, hop, on fléchit et on se redresse. Donc les bras croisés sur la poitrine. Option, les mains sur les hanches, d'accord ? Hop, au départ, vous pouvez poser les mains sur les hanches pour vérifier que le genou ne part pas trop vers l'avant. Pensez à descendre le genou arrière vers le sol de façon à vraiment bien cibler plus facilement et plus efficacement les fessiers, d'accord ? Là, et on pousse. Donc, n'oubliez pas, on descend le genou arrière vers le sol et je me redresse. Hop, inspire et souffle. On serre la ceinture, on redresse la poitrine, hop. On fait toujours droite et gauche, n'oubliez pas, on fléchit et on se redresse. Parfait. Triceps, on vient se mettre assis, tac, hop. Les mains de part et d'autre de la chaise. On garde le dos assez proche de la chaise. On fléchit les bras, hop, et on se redresse. Mais en passant une jambe derrière, on fléchit. Et on pousse. On fléchit. Et on pousse. Hop. Gardez le dos droit. Frôlez la chaise avec le dos. Hop. Faites de décoller une jambe. Hop, ça rajoute certes un petit peu de fun, mais ça permet d'avoir moins d'appui au niveau des pieds. Et d'engager un petit peu plus, hop, les bras. On descend. Tac. Et on pousse avec les triceps. Et tendez bien vos bras à chaque fois. Inspire, on contrôle. Expire, pousse. Pensez à garder la poitrine sortie, d'accord ? Les épaules loin des oreilles et la poitrine sortie. On fléchit, on croise et on se redresse. Dernière fois, hop, parfait, et on remonte. Allez, on pousse, notre travail fessier, chien. Tac, donc on vient se placer les mains ici, chien, de part et d'autre de la chaise. Hop, on amène un genou poitrine et on monte le pied au plafond. Hop, on pousse. Poussez le plafond, tac. Et on revient. N'oubliez pas, on contracte le fessier à chaque fois en position haute. On a les bras bien tendus, le corps gainé. C'est-à-dire on ne joue pas, on n'arrondit pas, on ne creuse pas le dos dans le mouvement. D'accord ? Ce sera absolument inefficace.
D'accord ? Au contraire, il faut garder, comme en pilates, votre creux lombaire. On garde la courbure naturelle au niveau de la colonne vertébrale. Ensuite, on serre la ceinture, hop, trois crans. Et en gardant une colonne vertébrale droite, gainée, là, on peut engager et cibler le fessier. Et on pousse bien le pied au plafond, bien talon fesse, hop. Parfait. On pose, on change de jambe, donc genou poitrine, talon fesse, et on pousse. Donc les bras tendus, hop, et on fixe la colonne vertébrale, je serre la ceinture, hop. Et là, ben, sentez vraiment la différence, hein, l'action au niveau de la fesse. Et en haut, on peut bien la contracter. On essaye donc de monter le pied le plus haut possible, sans que ça bouge au niveau du centre du corps. On expire, on monte et on contracte. Souffle. C'est ça. Allez, pousse. Pousse le plafond. Hop, pousse le plafond. Allez, monte. Hop. Pas besoin d'aller trop vite. Hein. Cherchez à monter le plus haut possible et à bien contracter votre fesse. Boum. Hop. Souffle. Hop. Souffle. Allez, contracte. On engage. Hop, parfait. On pose, fléchit les jambes, on se redresse. Chaque fois, on va se redresser pour engager le travail de la sangle abdominale. Planche. On pose les mains, hop, on recule les pieds, on vient toucher. Donc, on croise la jambe avec genou droit, on touche. Coude gauche, coude droit, on tend, là, je contracte la fesse et je repose. Je touche avec la jambe gauche, le coude droit, le coude gauche, je tends, j'allonge bien la jambe, tac, et je repose. Hop. Hop, on allonge, on repose. Et venez toucher l'extérieur du coude, d'accord? Quand vous amenez le genou vers le coude, pas l'intérieur, mais l'extérieur. Ce qui va vous permettre de bien croiser, de bien engager vos obliques. Tac, expire, expire et inspire. Et on allonge. Et quand vous allongez la jambe, allez-y, cherchez vers l'arrière. Engagez votre fessier, ça va. Quand on continue ce travail au niveau du fessier, on renforce vraiment le centre du corps, on a un bon travail au niveau du dos. Hein. D'accord? On gagne bien. Parfait. Allez, on se replace pour les jambes. On y va, on pose un pied, donc en dos à la chaise, on pose un pied derrière, on descend et on se redresse. Allez, c'est parti. On plante, hop, assurez-vous à chaque fois de bien poser le pied sur la chaise et on se redresse. Inspire, on descend le genou vers le sol et on pousse. On enfonce un peu plus le talon dans le sol et boum, on pousse. Contrôlé. Allez, on descend et on pousse. On va essayer de descendre un petit peu plus bas, d'accord, que les deux premières séries. Tac, et on pousse de façon à cibler encore plus eh bien, les fessiers. On garde le genou avant dans l'axe, toujours des orteils. Le buste fier, on descend et on pousse. Inspire, on descend, hop, contrôle et pousse. Inspire, on descend, donc toujours en équilibre, droite et gauche. Allez, assis, triceps, tac, les mains sur les côtés. Allez, les pieds bien au sol, poitrine haute. On fléchit, on croise une jambe derrière et on se repousse. On fléchit, on croise l'autre jambe derrière. Hop, et on pousse. Inspire, hop, et on pousse. Inspire, hop, et on pousse. Encore. Et à chaque fois, on descend bien les bras. D'accord? Et pensez toujours les épaules vers l'arrière, poitrine haute. On allonge la colonne, on n'a pas de dos rond dans le travail. On se grandit. Et on frôle ici la chaise avec le dos. Donc on reste près de la chaise. Là, ici, on descend. Hop, boum, et on pousse. Et on tend bien les bras en partie haute. Hop, et on pousse. Inspire, expire, pousse une dernière fois. Hop, parfait. On pose, tac, fessier. Allez, les mains sur la chaise. On place le dos droit, notre creux lombaire, genou, poitrine. Allez, et on pousse, contrôle. Hop, pas besoin d'aller trop vite dans le mouvement, d'accord? À chaque fois que vous faites une répétition, vous contractez votre fesse. Si vous n'êtes pas concentré, si vous ne contractez pas votre fesse, vous allez faire un mouvement dans le vide, cela ne vous servira absolument à rien, d'accord? Donc, soyez bien concentré,
contractez bien votre fessier en haut. Et ça va vous demander un bon engagement au niveau de la sangle abdominale, de garder ici eh bien, l'autre endroit, le buste droit. Donc serrez votre ceinture, engagez le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. On reste fort au niveau de la jambe d'appui et on y va, on pousse le pied vers le haut. Hop, boum. Boum. Hop, boum. On repose le pied, on fléchit l'autre jambe, on tend les bras, allez, boum. Hop. Je contracte, hop, je pousse. Imaginez que, hop, on est sur une presse à cuisse à l'envers, tac, et on a le pied posé sur 50 kg, hop, et on pousse ces 50 kg. C'est l'image, hop, je pousse ces 50 kg avec mon pied, avec mon talon, hop, je viens poser le pied au plafond. Gainer le centre, ceinture, hop, monte. Allez, contracte, pousse, allez, on monte, hein. Pose le pied au plafond, on pousse, tac, allez, serrez les fessiers, hop, parfait, on repose, fléchis les jambes, on se redresse, relâchez un peu vos jambes, allez, gainage, on touche un coude, on touche l'autre, et on allonge la jambe en contractant la fesse. On se place, hop, une belle planche, allez, un coude, on tend, on pose, un coude, on tend, on pose, on croise, dans l'axe, je tends, hop, on croise, dans l'axe, et je tends, encore, donnez-moi une belle planche, pas de fesses en l'air, hein. D'accord, ici, on aligne, talon, hanche, épaule. Je serre la ceinture, je serre mes abdominaux. Serrez la ceinture, serrez, vous prenez votre taille, vous resserrez 1, 2, 3. Hop, c'est le test de la baffe. On a toujours les abdominaux engagés. Et on garde les abdominaux engagés, on continue la respiration. Hein. Souffle, souffle, inspire. Hop, croise, touche, étend. Croise, touche, allonge et boum. Parfait. Allez, on y va. Quatrième série, les jambes. Tac, on pose le pied sur la chaise. Allez, on descend le genou vers le sol et on pousse. On pose le pied, on s'assure qu'il est bien posé. On descend et on pousse. On va essayer de rapprocher, hop, vraiment le genou du sol. Tac, hop. On descend bien, inspire. On enfonce le talon et on pousse. Restez concentrés, connectés. Sentez le travail du fessier, hop. Et on pousse. Tac. Vous pouvez poser une main sur la fesse. Vous pouvez poser une main sur la cuisse. D'accord ? Ça va vous permettre de sentir, de vous connecter. Hop. Sur le travail. Tac. Et on pousse. Hein. Pose une main sur la cuisse, une main sur la fesse. On descend bien. Hop. Boum. Et on pousse. Là ici. Hein. Inspire. Hop. Et on pousse. Gardez la poitrine fière. Inspire. Contrôle. Hop. Boum. Et on pousse. Parfait. Allez, triceps. On se place. Tac. Les mains de part et d'autre. Poitrine haute. Bien en appui sur les pieds. Poitrine hein, sortie, d'accord. Hop. Allez, on croise une jambe derrière. On descend et on pousse. On vient chercher à se mettre assis presque. Et on pousse. Hein. Et souffle. Hop. Inspire. Hop. Et on souffle. Encore. Continuez. Hop, on essaie d'y mettre un bon rythme dans le travail. Presque pas d'arrêt en haut, pas d'arrêt en bas. Et on pousse. Hop, inspire. Et souffle. Allez, le regard loin devant, buste fier. On y va, hein, on enchaîne. Option, vous pouvez aller plus doucement. D'accord ? Choisissez votre rythme. Hein. Ici, c'est un guide. Hop, je vous guide dans la technique, dans les exercices, dans les pauses. Par contre, le rythme, hop, c'est vous qui choisissez. Hein. La qualité avant la quantité. D'accord ? Donc vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme dans la vidéo. Allez, on se redresse, travail fessier. Tac. Hop. Allez, les mains de part et d'autre de la chaise, genoux, poitrine, talons, fesses. Et on pousse, on monte. Allez, poussez le plafond. Donc on gaine. Ceinture. Hop, serré. On garde le creux lombaire, on évite donc de creuser plus le dos ou d'arrondir le dos. Hein. Au contraire. On garde vraiment ce creux lombaire. On pousse le plafond. Souffle.
Allez, pousse. Et bonne amplitude. Hein. On essaie vraiment de monter le pied le plus haut possible. On pousse. Hop. Hop. Allez, pousse. Parfait. On repose. On change de jambe. Genou poitrine. Tirez les orteils vers vous. Allez, pousse. Hop. Et on contracte. Et on contracte. Hop. On monte le pied au plafond. Et restez connecté. Toujours, toujours. Restez connecté. C'est la base hein, de tous les entraînements que vous allez trouver sur Programme 66. Et roule sur la forme. C'est la connexion toujours entre le cerveau et ce qui travaille, le muscle qui travaille. C'est la force vraiment du programme 66. C'est pour ça qu'on obtient vraiment beaucoup de résultats dans les programmes. C'est la connexion, et bien tout simplement corps-esprit. Une fois que vous ne travaillez pas dans le vide, que vous restez concentré sur ce que vous faites, ça va améliorer vos résultats, ça va améliorer vos performances. Hop. Ainsi que votre récupération, si vous êtes dans un processus de récupération, hein, que ce soit dans le stretching, dans les automassages, hop. Souffle pendant tous les exercices de mobilité que vous allez retrouver sur le site. Dernière fois, on pousse. Parfait. Allez, on se place. Planche, tac. Vous pouvez redresser à chaque fois hein, si vous voulez relâcher les poignets et si vous voulez relâcher les jambes. D'accord ? On touche, on croise. Hop, coude et on tend. On croise, on touche. Là. Et j'allonge derrière, je tends, hein, d'accord ? Exagérez le fait d'allonger la jambe et de monter le pied le plus haut possible pour vraiment engager, hop, le fessier. À chaque fois que vous allez tendre la jambe, vous devez sentir la fesse se contracter. On va sentir plus le travail ici sur l'extérieur hein, de la fesse. On touche, hop. L'expiration, on fait de la buée un peu à chaque fois. Contracte, souffle, souffle. Et contracte et on gaine. Tac, tac, et on allonge. Hop, hop, et on allonge. Hop, hop, et on allonge. Dernière fois, on attaque les jambes. Aïe. L'amplitude, d'accord ? C'est ce qui doit dominer ici sur cette série. On pose un pied, on descend le plus bas possible et on pousse. On pose l'autre pied, on descend le plus bas possible et on repose. Allez, plantez les orteils, équilibre, on descend le plus bas possible et on pousse. Hop, posez bien les orteils sur le bord, hein. Vérifiez bien à chaque fois. On descend le plus bas possible et on pousse. Option, vous n'êtes pas obligé de descendre si bas, hein. D'accord ? Peut-être que votre objectif, ce sera d'abord l'équilibre. Donc dans ce cas-là, on fait une petite flexion de jambe. Vous allez seulement descendre si vous êtes à l'aise dans le mouvement. D'accord ? Hop. Mais sachez que plus vous allez descendre, meilleur sera le travail au niveau des fessiers et au niveau des jambes. Hein. Hop. Allez, toujours on termine, droite et gauche. Hop, on fléchit et on pousse. Triceps. Allez, on se place. Tac. Hop. Les mains de part et d'autre. Poitrine haute. On y va. Allez, c'est parti. Go. On croise. On fléchit. On pousse. Inspire, on fléchit. Expire, on pousse. Allez. Souffle. Hop. Inspire. Souffle. Inspire. Hop. Et souffle. On croise. Et on pousse. On croise bien. Gardez le dos. Et on pousse. Allez. Contrôlez. Et pousse. Poitrine haute. Inspire. Et pousse. Hop. Allez, on descend bien l'amplitude de l'amplitude. On fléchit. Allez, pousse. On fléchit. Et pousse. Tendez vos bras en position haute. Inspire. Hop. Et on pousse. Parfait. Allez, les fessiers. Tac. On se place. Bras tendus. Hop. Allez. On va y mettre un petit peu plus de rythme. Ici, on monte. On monte. Une bonne amplitude. Vous amenez bien le genou vers la poitrine et on monte le pied au plafond. On met du rythme, mais on garde l'amplitude. D'accord ? Pas de demi-amplitude. Et engagez. Serrez bien le fessier en position haute. Allez, on y va. On monte. Hop. Dos droit, dos droit.
On garde le creux lombaire. Souffle. Allez, contracte. Hop, pousse à fond. Hop, comme si on voulait donner un coup de talon, un coup de pied. Hop, boum. Et là, je contracte. Hop, boum. Et là, je contracte. C'est la même chose. Hop, on frappe le plafond à chaque fois en engageant la fesse. Parfait. On pose, on se redresse. On change de côté. On se place les mains. Hop, genoux poitrine, les orteils tirés vers vous. Allez, pousse. Hop, boum. Hop, boum, je frappe. Hop, boum. Allez, hop, boum. Et pour maintenir le rythme, pour pouvoir bien engager la fesse, vous devez rester gainé. D'accord? Donc, soyez concentré là-dessus. L'engagement du fessier, le gainage de la sangle abdominale et une jambe d'appui stable. Et on pousse, souffle. Hop. Et on pousse. Boum. Hop. 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 Allez, monte. Hop. Allez, pousse. Bras tendu, pousse. Allez, pousse, on monte. S. 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 Contracté. Parfait. On fléchit, hop, on pousse sur les jambes, toujours pour se redresser. On vient se placer planche, planche. On croise, on touche, on allonge. On croise, on touche, on allonge. Prêt, 3, 2, 1, épaule basse. Allez, go. Hop, hop. Et on allonge. Et vous venez chercher l'extérieur vraiment des coudes. Là ici, hein. Hop. L'extérieur. Et on tend. Hop, hop. Et on tend. Donc venez chercher l'extérieur vraiment à chaque fois. Là ici, boum. On engage les obliques. Expirez, resserrez votre taille. On accélère un petit peu. Hop, hop, on tend. Et contractez votre fesse derrière. On tend. Hop, hop, on tend. Hop, hop, et on tend, on allonge. Allez, hop. Rentrez bien le genou, hein. À fond, hop. On serre les obliques. Allez, parfait. Allez, on se place pour les jambes. Tac, dernière série. Prêt. Allez, on pose le pied, poitrine haute. Allez, c'est parti. On descend, amplitude, hein. Hop. Et on pousse. On pose bien le pied sur le bord. Tac. On descend. Et on pousse. On pose bien le pied sur le bord. On descend. Hop. Et on pousse. Donc fléchissez la jambe arrière. Vérifiez que le genou avant reste au-dessus de votre pied. D'accord? Là, je vérifie. Le genou reste au-dessus de mon pied. Si le genou dépasse les orteils, hop, c'est que vous ne descendez pas assez sur la jambe arrière. Ou vous êtes trop près de la chaise. Allez. Et on pousse. On pose. Tac. On descend. Allez, amplitude. Hein. C'est l'amplitude ici qui domine. Tac. Hop. Allez, pousse. On pose bien. Allez, on descend. Hop. Et on pousse. Parfait. Allez, triceps. Tac. Hop. On se place. On est prêt? Moi, je suis prêt. Allez, c'est parti. Go. On descend, hop, et on pousse. Allez, dos droit, posture, fier, on est fort, on est fier. Hop, on descend, on pousse. On vient poser, et on pousse. Allez, on accélère. On essaye d'y mettre un petit peu plus de rythme, et on pousse. On pose, et on pousse. Allez, hop, croisé. On descend, et pousse. Allez, on essaie d'accélérer encore. Hop. 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 Allez, encore, 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 encore. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Parfait. Allez, fessiers, on se place. Tac. Hop. Allez, les mains de part et d'autre de la chaise. Genoux poitrine. Allez, on y va. Hop. On se concentre sur le gainage. D'accord? Pour les 15 premières secondes. On est gainé. On monte. On engage la fesse. On va accélérer le rythme au fur et à mesure. Première accélération. Hop. Hop. Allez. Pousse. Pousse. Allez, monte. Serrez la sangle abdominale.
Monte. Allez. Pousse. Pousse. Allez. Hop. On accélère. Hop. 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 Allez. Pousse. Imagine toujours les 50 kg que tu dois pousser avec ton pied. Hein, d'accord? Pousse. 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 Monte. On fléchit. On redresse. Hop. Relâchez vos jambes. Relâchez les bras. On se replace. Tac. Hop. Allez. Genoux poitrine. On contrôle. Hop. On pousse. Tendez les bras. Allongez la nuque. Essayez de pousser le sommet de la tête vraiment vers l'avant. Ceinture. On localise que le fessier. Et on monte vers le haut. Allez. On accélère. Boum. Hop. 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 Allez, monte, presse, 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 allez, pousse, on accélère, hop, 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 allez, hop, hop, allez, pousse le plafond, presse ces 50 kg, et 60 kg, on accélère, hop, hop, gain, gain, voilà. Parfait, hop, on se redresse. On se place, gainage, on croise, on touche, on allonge. Allez, go. Croise, touche, allonge. Croise, touche, allonge. Hop, hop. Allez, on reste en planche. Hein. Tac, tac, et on pousse. Tac, tac, et on pousse. Croise, croise, et allonge. Croise, croise, et allonge. Contracte. Hop, hop, pousse. Hop, hop, pousse. Allez, on accélère. Hop, 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 allez, hop, allez, pousse, allez, pousse, allez, pousse, allez, dernière fois, pousse, parfait. Et on redresse, très bien. Allez, on marche, on respire un peu. On reprend un petit peu d'air. Très bien. Super travail, bon travail. Allez, on respire. Attrapez votre chaise, on reste debout. Pour le stretch, tac, allez, talons-fesses, hop, petit étirement sans forcer, c'est un retour au calme, hop, on va juste permettre au muscle de retrouver sa longueur initiale, allonger la jambe devant, on pousse les fesses vers l'arrière, gardez la poitrine haute, restez, j'éteins mon chrono, tac, allez, poussez bien les fesses vers l'arrière, et sortez la poitrine. On se redresse, cheville sur la cuisse, on pousse les fesses vers l'arrière. Hop, cherchez l'étirement ici au niveau du fessier. Et on se redresse, on change de côté. Hop, talon fesses. On tire le genou vers l'arrière. Serrez les abdominaux. Et poitrine haute. Tac. Léger étirement. On allonge la jambe devant, on pousse les fesses vers l'arrière. Sortez la poitrine. Hop. Parfait. On redresse, cheville sur la cuisse. Poussez les fesses vers l'arrière. Hop, on sort la cage. Hop. Parfait. On redresse. On attrape un coude. On tire le biceps vers la poitrine. Allongez le bras. On amène la main entre les deux omoplates. On descend la main entre les deux omoplates. On lève le coude. Tac, on le tire vers l'intérieur ici. Hop. On allonge. Allez, incline un peu plus. On repousse le bras avec la tête. Parfait. On change de côté. Attrapez le coude. Biceps sur la poitrine. On allonge le bras. Épaule basse. Amenez la main entre les deux omoplates. Tac, hop, on lève le coude. On repousse le bras vers l'arrière.
Tac, on descend bien la main. Et puis là, on tire avec le bras. Vous ramenez le bras à l'intérieur. Vous allez bien sentir l'étirement. Dans le triceps, on incline. Hop. Parfait. On passe une jambe derrière l'autre. Ici, on s'incline. Cherchez à allonger le bras. Poussez les hanches sur le côté. Hop, on change de côté. On s'incline. On allonge. Hop. Parfait. Enroulez vos épaules. Inspire. Et on relâche. Souffle. Encore une fois, inspire. Et on relâche. Souffle. Très bien. Parfait. Très très bon travail. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance dans la zone de commentaires ci-dessous. Si vous avez des questions, eh bien, posez-les. Laissez-moi aussi parfois juste un petit mot sympa. D'accord ? Mais dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Donc cette séance fait partie des bonus du programme BAR. C'est un programme où on mélange le ballet, le pilates, le yoga et un renforcement musculaire. C'est le cours ici que je vous donne ici même au studio avec une barre de danse. Mais je l'ai adapté pour que vous puissiez vous entraîner avec une chaise. C'est uniquement un renforcement des jambes. Donc un bon travail pour affiner, renforcer et dessiner ces jambes. Vous avez la description de ce programme juste et bien ci dessous. En attendant, donc ça fait, c'est une séance qui fait partie des bonus. Il y en a en tout pour l'instant et bien 4. C'était une demande des clients qui sont déjà dans le programme BAR d'avoir un renforcement également du haut du corps. Donc j'ai mis en place des séances, toujours eh bien, avec une chaise, puisque c'est une chaise que l'on utilise dans le programme BAR, où on renforce toujours les jambes, puisque c'est quand même la dominante du programme, mais avec un travail également pour le haut du corps et la sangle abdominale. Donc ce sont les séances bonus du programme BAR. Allez, moi, je vous dis à bientôt, je vous dis bon entraînement. C'était Fabien G de Roule sur ma forme et de Programme 66. Ce sont des programmes de sport en vidéo.